Je vais le chercher, Seigneur. Je le ramène. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Je descends. Je vois que vous avez un petit garçon aveugle dans vos bras. One more thing I'd like to say. Il y a une autre chose que j'aimerais dire. J'étais très malade. Je vomissais. Et j'ai pensé, je voudrais vraiment que vous saisissiez ceci, si vous pouvez. J'ai pensé, oh Dieu, qu'est-ce que je donnerais pour entendre quelqu'un s'arrêter dehors? My wife is saying, Billy, there's another gentleman here to see you. Mon épouse dira, I'll say, yes, sir, I am. Je dirai, oui, monsieur. My name is Simon. Je m'appelle Simon. But he's saying, don't worry, look at me a minute. Say, you're a believer, brother Dan. Il mettrait sa main sur moi. Il me regarderait pendant un instant. Il dirait, vous êtes un croyant, frère Branham. Yes. Oui. It'll be all right. Tout ira bien. Simon Peter in the Bible. Le Simon Pierre de la Bible. How I would appreciate that. Combien j'apprécierais ça. He wouldn't have said much. Just put his hand on, maybe all right. Il n'aurait pas à dire grand chose. Il n'aurait qu'à imposer sa main sur moi. Tout irait bien. And then when it come to me, by God's help, by God's grace, there's tens of thousands of people who do the same thing if I come to him. Et alors, voici ce qui m'est venu à l'esprit. Avec l'aide de Dieu et par la grâce de Dieu, il y a des dizaines de milliers de gens qui croiraient à la même chose si moi, je venais à eux. Alors, j'ai pensé, Seigneur, permets-moi d'aller vers tous ceux que je peux dans ce cas. Permets-moi seulement... Je me disais que si Simon pouvait seulement, si Paul, si quelques-uns de ceux-là pouvaient seulement entrer, dire, êtes-vous frère Branham? Yes. Oui. Put your hands over on me, look at me and say, all right, brother Branham, just walk out. Ils imposeraient leurs mains sur moi, ils me regarderaient et diraient, très bien, frère Branham, et repartiraient tout simplement. I'll get well. I'll be all right. Je serai guéri, tout irait bien, c'est sûr. Je me suis dit, oh là là, je reprendrai courage tout de suite. Je dirai, tout ira bien, oui monsieur. Et il y a des gens qui croient exactement la même chose aujourd'hui. Et je descends maintenant pour faire ça. Pour vous imposer les mains à vous
demander à Dieu. Father, as we stand here, as many boxes dying out in our hearts, and all the mistakes of last year. Et Céleste, comme nous sommes debout ici, et que dans mon cœur, beaucoup de pensées sont en train de s'éteindre, et les erreurs de l'année dernière. And as we are approaching the death of 62 and the birth of 63, quand nous approchons de la mort de 1962 et de la naissance de 1963. Oh God, may we be one step higher up the ladder until we can see Jesus and his program. Oh Dieu, fais que nous ayons gravi un échelon de plus sur l'échelle, afin que nous puissions alors voir Jésus et son programme. Que tous ceux qui sont ici, Seigneur, en prière, pendant que la vieille année s'éteint et que la nouvelle naissance de cette nouvelle année arrive. The old man's sin and unbelief die in our hearts. Puisse le péché et la crédulité du vieil homme s'éteindre dans nos cœurs. And the new birth come in with the 1963 microcosm again. La nouvelle naissance y entrer avec l'année 1963 comme un vent impétueux. That might fill our needs and make us new creatures in Christ. Qui remplira nos êtres et fera de nous de nouvelles créatures en Christ. Make us fit servants. Fais de nous de bons serviteurs. Forgive our past, bless our future. Pardonne notre passé, bénis notre avenir. Guide us, O Lord, God, with thy mighty hands, O Lord. Guide-nous, ô Seigneur Dieu, par ta main puissante, Jéhovah. Bless these ministers here. Bénis les ministres qui sont ici. Bénis tous les laïcs, tous les visiteurs. Sois avec nous, Seigneur. We are your servants and we give ourselves wholly to you for 1963. Nous sommes tes serviteurs et nous nous livrons entièrement à toi pour 1963. Have the power of your spirit find ever more freeness in our life and in our being. Afin que la puissance de ton esprit puisse avoir plus de prééminence dans notre vie et dans notre être. Help us, God. Forgive us and help us, we pray. Aide-nous, ô Dieu. Pardonne-nous, aide-nous, nous t'en prions. Raise up mighty men. Raise up mighty warriors. Suscite des hommes puissants. Suscite de puissants combattants de la foi. Open this year, Lord, and give the man that brought me to God. Cette année, Seigneur, ouvre cette manne cachée, ce roc sous le rocher. That we might see the program of God. Pour que nous puissions voir le programme de Dieu. Coiffe la pyramide de notre vie, Seigneur. Place la pierre de fait, Jésus-Christ, sur chacun de nous, sans exception. Que ces grandes et magnifiques saintes bénédictions soient sur nous tous. Que le feu du Saint-Esprit vienne sur nous. Que la puissance de la résurrection soit manifestée. Ô Dieu, combien nous te remercions ce soir. Nous sommes à toi. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur. Alors que je vais là-bas, ne sachant ni où, ni comment, ni ce que je ferai. I'm trusting you, Almighty God.
that you abide me, your unprofitable servant. Je mets ma confiance en toi, Dieu tout-puissant, que tu me guideras, moi, ton serviteur inutile. Afin que je sois utilisé pour l'honneur et la gloire du Tout-Puissant, accorde-le, Père. Receive our prayer. Bless our efforts. Accueille nos prières. Bénis nos efforts. Heal the sick and the afflicted, both spiritual and physical. Guéris ceux qui sont malades et affligés, tant spirituellement que physiquement. Et fais-nous tes serviteurs. We are the clay, you are the potter. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Hold us each one in your own way, that we might fit together with Christ Jesus as a member of his body. Façonne chacun de nous à ta manière, pour que nous puissions former ensemble un solide assemblage avec Jésus-Christ comme membre de son corps. For we ask it in Jesus' name, and for his sake, and for the gospel's sake. Amen and amen. Car nous le demandons au nom de Jésus, à cause de lui et pour la cause de l'Évangile. Amen et amen. Posez les mains sur les bouchons qui sont ici. Levons nos mains vers Christ. Lord Jesus, we believe you. Seigneur Jésus, nous te croyons. We know you the truth, the light, the word. Nous savons que tu es la vérité, la lumière, la parole. I put my hands upon these handkerchiefs. Je pose mes mains sur ces mouchoirs. I pray, Lord Jesus, that your power will serve the business building through these handkerchiefs, over these little folks and clothes. Je prie, Seigneur Jésus, que ta puissance traverse ce bâtiment, traverse ces mouchoirs et aille sur ces petits paletots ou ces manteaux. Et puisse le Saint-Esprit venir sur eux, Seigneur. Accorde-le, puisse-t-il être guéri, chacun d'entre eux, car ta parole est vérité. Accorde-le, Seigneur. Je m'adresse maintenant à chaque personne de l'assistance. Que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? It's on your head. C'est sur vos mains. Don't you let the people tell you. I mean the people on this table, the people I can be honest. What will you do with it today? Ne laissez pas les gens vous dire. Je m'adresse aux gens qui sont à l'écoute de cette parole, aux gens qui sont ici dans l'auditoire. Vous, qu'en ferez-vous aujourd'hui? Why don't you accept him, every sick man in here? Pourquoi ne l'acceptez-vous pas, vous tous, les hommes malades qui sont ici? Every doubt man in here, every doubt woman. Vous, tous les hommes ici qui sont en proie au doute et toutes les femmes qui le sont aussi. Why don't you accept him as your savior? Pourquoi ne l'acceptez-vous pas comme votre sauveur? You'll never wash him off your hand. Vous ne pourrez jamais le laver de vos mains. Your creed will never take him off. Votre credo ne l'enlèvera jamais de là. Le pays ne contient pas assez de potasse et poulant pour l'eau de là. Et il n'y a qu'une chose que vous puissiez faire, c'est de le faire entrer dans votre cœur. Amen. Will you accept the Savior and say, give me praise and glory? Amen. Voulez-vous l'accepter? Alors, levez les mains et dites. Donnez-lui la louange et la gloire. Heavenly Father, they are yours. Père Céleste, ils sont à toi. Your word is identified. La parole est identifiée. The people are yours. Les gens t'appartiennent. I commit that to you in Jesus Christ's name. Amen. Je te les remets dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Raise up your hands while I'm praising. Levez vos mains maintenant et louez-le. Heavenly Father, we're just men and women sitting here tonight. Père Céleste, nous sommes simplement des hommes et des femmes
assis ici ce soir. But we are, as it was, handling God when we handle the word. Mais pour ainsi dire, nous touchons Dieu quand nous touchons la parole. Father, I'd be afraid to try and say something that wasn't in here. Et Père, je craindrais d'essayer de dire quelque chose qui ne soit pas ici. I'd be afraid to try to put my own interpretation to it, because it might be wrong. Je craindrais d'essayer d'en donner ma propre interprétation, parce qu'elle pourrait être fausse. And you said, whosoever shall take one word out of it or add one word to it, his part will be taken from the book of life. Et tu as dit, quiconque en retranchera une seule parole, ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. What good would my life be then, Lord, if I do an evil thing like that? À quoi servirait ma vie dans ce cas, Seigneur, si je faisais une vilaine chose comme celle-là? So I just speak it the way it is. Alors, je la prononce telle qu'elle, tout simplement. And Father, you promised that you would identify. Et Père, tu as promis que tu l'identifierais. I believe that you are risen from the dead 2,000 years ago and are alive tonight. Je crois que tu es ressuscité des morts il y a 2000 ans et que tu es vivant ce soir. Calling a simple people, just as you always did. En train d'appeler un peuple simple, comme tu l'as toujours fait. One here and one there, no groups, no organizations, no great manners of what man has done. Un ici et un là, pas de groupe, pas d'organisation, pas de grande réalisation à la manière de l'homme. But you said you'd take a people out of the Gentiles, a people. Mais tu as dit que tu prendrais un peuple parmi les nations, un peuple. Two to be your lead, one take one. Deux dans un champ, j'en laisserai un, j'en prendrai un. Two to bear, lead, one take one. Deux dans un lit, j'en laisserai un, j'en prendrai un. A people, here and there, are your namesake, the bride. Un peuple pris ici et là, à cause de ton nom, l'épouse. I believe that your character identifies you. Je crois que ton caractère t'identifie. You promised as it was in the days of Sodom. Tu as promis que ce qui arriva au jour de Sodom. So will it be in the day when you were being revealed, the word. Arriverait de même au jour où tu serais révélé, la parole. The word itself of this hour is supposed to reveal the word itself. La parole elle-même de cette heure doit révéler la parole elle-même. Like the word came to the prophets. Tout comme la parole est venue au prophète. Father, we see John standing here on earth. Et Père, nous voyons Jean qui était ici sur terre. And there was the word he was revealing. Et là, la parole qu'il révélait était là. And the Bible said the word always comes to the prophet. Et la Bible dit que la parole vient toujours au prophète. And the word was flesh then, so it walked right out in the water to John. Et la parole était chair à cette époque-là. Alors elle est allée directement à Jean en marchant dans l'eau. The word came to the prophet. La parole est venue au prophète. Father God, come tonight. I pray and help us. Dieu notre Père, viens ce soir, je t'en prie, et viens à notre secours. Help our unbelief. Viens au secours de notre incrédulité. Forgive us of our shortcomings. Pardonne-nous nos manquements. Heal the sick and afflicted. Guéris les malades et les affligés. One word from you, Lord, will mean more than anything, Une seule parole de toi, Seigneur, comptera plus que tout ce qu'on a dit. Just you speak, Father. Just one word will mean so much. Que ce soit simplement toi qui parles, Père. Une seule parole comptera tellement. Now you're the same yesterday, today, and forever. Or tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. We commit ourselves to you. Nous remettons à toi maintenant. And we pray that when we leave the room of peace tonight, you'll stay like those from Emmaus. Et nous prions que quand nous repartirons et rentrerons chez nous ce soir, nous disons comme ceux qui revenaient d'Emmaus. When they see you do something, you identify the fact that he was the risen Lord. Après avoir pu faire quelque chose pour identifier devant eux qu'il était le Seigneur ressuscité. On avait beau dire, ils ont dérobé son corps et ils ont fait ceci, cela et autre chose. They knew themselves that he was raised from the dead. Ils le savaient qu'il était ressuscité des morts. Won't you tonight show yourself alive to us again? Ce soir, ne veux-tu pas nous montrer que tu es vivant de nouveau? Call those in this fair city and around about
the line to you. Et appeler à toi ceux de cette belle ville et des environs qui sont destinés à la vie. For we ask it in Jesus' name. Amen. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Now, I'm going to ask you now for about 15 minutes. Maintenant, je vais vous demander maintenant pour une quinzaine de minutes. We're going to be just about 10 minutes late. Nous allons être en retard d'une dizaine de minutes. I'm going to hurry. Je vais me dépêcher. I want to call a prayer card. I believe them. G, prayer card, G, G. Je veux appeler les cartes de prière. Je crois que Billy, G, les cartes de prière G. Et c'est là qu'on a distribué G. Prayer cards G. Let's take 1 to 15 or 20 something. Les cartes de prière G. Prenons de 1 à 15 ou 20 quelque chose. G1, I mean, who had G number 1? Raise up your hand, say it to G1, combien qui a G numéro 1? Levez la main pour voir si elle est ici. And remember, hold your prayer card, you'll be praying for me, I'm here tonight, you'll be there. Et souvenez-vous, gardez vos cartes de prière, on va prier pour vous. Même si ce n'est pas ce soir, on va s'en occuper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loud as quick as you can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ici, en avant, le plus rapidement possible. So walk over here and get mine. Avancez vous ici et mettez-vous dans la file. All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 missing in there. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en manque 3 là. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5. 7. 7 et 1, 2, 3. Comptez, Robin, pour moi. All right. 10. All right. 1, 2, 10. Très bien. 10. Très bien, de 1 à 10. 15 now. G1 to 15. 15 maintenant. G de 1 à 15. That's 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est-à-dire que 10, 11, 12, 13, 14, 15. All right. Let us go. All right. Très bien. On va s'arrêter là, avec celle-ci. Très bien. Now we're trying to keep our word, see, be out of the night very. Maintenant, nous essayons de tenir notre parole, voyez-vous, d'être sortis pas plus tard que 9h30. But we're not going to do it tonight, I know. Mais nous ne le ferons pas ce soir, je le sais. But I want everyone to give the undivided attention. Et maintenant, je voudrais que tout le monde m'accorde toute son attention. Now, if I have spoke the truth, maintenant, si j'ai dit la vérité, and told you that these things are supposed to be, and here it is in the Bible, that this is the hour. Et je vous ai dit que ces choses sont censées se produire, et c'est annoncé ici dans la Bible que c'est maintenant l'heure. You might have taught in another school. Il se peut que vous ayez été enseigné dans une autre école. So was the Pharisees. C'était aussi le cas des Pharisiens. But the Bible said in that day a virgin shall conceive. Mais la Bible avait dit qu'en ce jour-là une vierge concevrait. She did. Elle l'a fait. He said the characteristics of the Messiah would be that. Et voilà. Il a dit que les caractéristiques du Messie seraient celles-là. Et l'ont été. But they didn't believe it. Mais ils ne l'ont pas cru. That didn't stop him from going around just the same. Ça ne l'a pas empêché de continuer à annoncer quand même. Same as it is now. C'est pareil maintenant. We're living in the last hours. The last day. Nous vivons aux dernières heures du dernier jour. Science says it's 3 minutes till midnight. La science dit qu'il est minuit moins trois. I think it's later than that now. Most any time. Je pense qu'il est maintenant plus tard que ça. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever pour commencer notre réunion. Nous allons prendre le psaume 14.
lirai le premier verset et ensuite nous lirons de façon alternée. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont mis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'iniquité a-t-il perdu le sens? Il dévore mon peuple, il le paye pour nourriture, il n'invoque point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. J'ai dit au roi, l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Nous allons prendre le recueil d'adoration, le cantique numéro 1. Seigneur, je veux réaliser. Seigneur, je veux réaliser qui je suis. Que ce ne soit pas que des mots pour moi, mais bien une réalité. Car toute promesse que tu as faite est mienne, je sais que c'est vrai. Si je peux voir que tu devins moi, afin que je devienne toi. Tout ce que je fais, Seigneur, je ne fais que par toi. Ô Seigneur, Seigneur, que ce soit une réalité. Deuxième couplet. Seigneur, je veux réaliser où je me tiens. Que ce ne soit pas que des mots pour moi, mais bien une réalité. Car je sais ce qui adviendra de moi au grand jour. Permets que se descende dans mon cœur une part de ton plan éternel. Pour tout ce que tu es, je suis. Tout ce que tu dis, j'y crois. Oh, tout ce que tu dis, j'y crois. Tout ce que je fais, Jésus. Oh, tout ce que je fais, je ne le fais que par toi. Ô Seigneur, Seigneur, que ce soit une réalité. Encore une fois, tout ce que tu aimes, tout ce que tu es,
Je suis tout ce que tu dis, j'y crois, Seigneur. Oh, tout ce que tu dis, j'y crois, tout ce que je fais. Oh, tout ce que je fais, je ne fais que par toi. Oh Seigneur, Seigneur, que ce soit une réalité. Nous prenons le cantique 21, mon Jésus, je t'aime. Je t'aime, je te sais à moi. Yes. Cantique 21 dans le même recueil. En toi-même, en t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé sur la croix, sur la croix bénie. Oui, tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne. Cantique 51. Sur le plateau du ciel, oh la plus haute crainte, jamais trouvée. Au lieu je me presse sur la route du ciel. Je me presse sur la route du ciel. Nouvelles hauteurs. Chaque jour, je
sur mon chemin, je prie toujours. Place-moi, Seigneur, oh Dieu, plus haut, lève-moi. Oh, que je me tienne la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, au jamais trouvée. Place-moi au lieu plus haut. Mon cœur ne désire point rester. Et peur à calme que certains restent où ils abondent. Je prie, je vise les lieux plus longtemps. Lève-moi, oh, lève-moi, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Laisse-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je veux atteindre les sommets et voir briller ta gloire éclatante avant de voir. Je prie toujours, Seigneur, mène-moi au lieu plus chantant. Lève-moi, oh, lève-moi, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. S'il y a quelqu'un qui m'a aimé, s'il y a quelqu'un qui m'aime, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui me pardonne, s'il y a quelqu'un qui pardonne, s'il y a quelqu'un qui me pardonne, c'est Jésus. Oh oui, s'il y a quelqu'un qui guérit, au guerrier, s'il y a quelqu'un qui m'a guéri, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui exauce, s'il y a quelqu'un qui exauce, s'il y a quelqu'un qui m'exauce, c'est Jésus. Pendant que nous allons prier, pendant que nous avons nos têtes inclinées, s'il y a quelqu'un qui a une requête dans le cœur, qu'il puisse simplement lever la main, alors que nous allons parler à celui qui exauce toutes les prières. Dieu notre Père céleste, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant toi, après toi, en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu qui peut être comparable à toi. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles.
le donateur de tout don parfait et excellent. Seigneur, tu as quitté ta position dans l'éternité. Tu es descendu ici sur la terre pour verser ton sang et donner ta propre vie. Afin que, Seigneur, pécheurs que nous étions, Seigneur, que nous puissions reconnaître cette grâce, Seigneur. Seigneur, sur terre, il n'y a aucune monnaie qui peut valoir cet acte que tu as commis, Seigneur. C'est pour cela qu'en ce dimanche matin où nous commémorons la mort et ta résurrection, Seigneur, nous sommes venus avec le plus grand de tous les présents, Seigneur, nos âmes, Seigneur. Nous voulons que tu puisses te faire connaître au travers de nous, que tu puisses avoir la prééminence, Seigneur, au travers de ce service que nous consacrons à ton nom. Père très aimable, alors que nous sommes venus fatigués et chargés, tu as dit que ceux qui ont faim et soif viennent jusqu'à toi. Nous sommes venus, Seigneur, au pied de ta croix, afin que lorsque ton serviteur se tiendra du haut de cette chair, Père très aimable, que tu puisses répondre aux requêtes qui sont enfouies dans nos cœurs. Père très aimable, nous dédions ce service entre tes mains. La louange, l'adoration et la prédication, Père, afin que Père très aimable, que tu puisses nous parler. Merci, nous remettons, Seigneur, tous les serviteurs de Dieu, Seigneur, qui feront ce service, de ramener les âmes à toi, Seigneur, d'aimer les bénir, d'aimer les conduire, Seigneur, bénis aussi le troupeau, dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre dans le recueil la louange, le cantique numéro 2. La grâce du Seigneur est si merveilleuse, si merveilleuse, si merveilleuse. La grâce du Seigneur est si merveilleuse, si merveilleuse. Pour oublier la peine, la peine. Yeah.
Oh,
Chacun de vous, l'on avance avec la grâce de Dieu chaque jour et je remercie le Seigneur pour chaque main qu'il ajoute, parce que même si vous êtes un mécanicien, vous pouvez connaître le travail comme vous voulez, vous êtes un peintre, vous pouvez connaître le travail comme vous voulez, deux mains ne suffisent pas pour faire un travail, vous avez toujours besoin des aides pour avancer. Je remercie chacun de vous et que Dieu vous bénisse richement. Ensemble, nous avons une plus grande foi pour avancer. Tout seul, c'est toujours plus difficile, mais ensemble, c'est plus simple. Ce matin, nous allons continuer toujours sur notre sujet sur l'unité de l'esprit et dans l'esprit. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi, toujours dans les mêmes passages. D'abord, nous allons commencer par Amos. Amos 3, chapitre 3. Amos 3, chapitre 3. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te remercions pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour tes nombreux bienfaits. Tu as créé les anges, tout l'univers, les animaux, mais tu as créé un être à ton image. C'est pourquoi l'amour que tu as mis dans cet être, Seigneur, elle n'est pas comparable à d'autres créations. C'est pourquoi tu es descendu, tu as donné ta vie pour nous, afin que nous puissions être parfaitement comme toi. Seigneur, nous venons ici afin de recevoir ta parole, que tu puisses enlever de nous l'habitude, les mauvaises pensées qui peuvent nous éloigner de toi, car la seule véritable unité que nous voudrons avoir, c'est avec toi.
Parce que si nous ne sommes pas unis avec toi, nous ne pourrons pas aider notre prochain ni vivre convenablement devant tes yeux. C'est pourquoi nous voulons encore ce matin que tu puisses nous parler, que rien de l'homme ne puisse sortir, mais tout de toi. De la même manière que tu as commencé avec nous dans les services de chant, Seigneur, rien depuis bien avant le service de chant, depuis qu'on était à la maison jusqu'à maintenant, Seigneur, que tu continues à être avec nous. Aussi, pourvois tous ceux qui n'ont pas pu avoir les moyens, mais nous savons, Seigneur, tu connais au plus profond le cœur d'un homme. Nous, les hommes, nous pouvons donner des excuses, nous justifier à notre prochain. Le prochain peut croire, mais c'est toi qui sondes les reins. C'est pourquoi, Seigneur, laisse que le peu de sacrifices que nous faisons pour disposer du temps pour ta parole, que tu puisses considérer cela et nous faire grâce et ôter nombreux de nos péchés. Nous savons que tu as déjà fait tout cela bien avant la fondation. Aussi, viens encore bénir une fois ta parole. Merci d'avoir exaucé la parole de tes enfants et prendre la suite de chaque chose. Utilise chacun de tes serviteurs partout dans le monde sans te perdre tes enfants puissamment, afin que ceux-ci puissent être parfaitement à ton image et non à l'image des hommes. Nous croyons que vous exaucez. En ayant cette assurance qu'à chaque fois notre nom, tu nous as exaucé. Merci pour tout. Que Jésus-Christ. Amen. Disons dans Amos, chapitre 3, au verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Dimanche dernier, nous avons parlé sur l'unité de l'esprit et dans l'esprit. Dans le premier point, nous avons vu l'importance, et bien les deux sortes d'unité qu'il peut avoir. Un homme peut être uni à l'esprit du monde, à l'esprit du diable, et il vivra selon cet esprit, il va dépendre de cet esprit. Et un homme qui est uni à l'esprit de Dieu, il vit différemment. Et nous voyons que tout simplement, sachant que nous sommes l'âge de l'union, il y a beaucoup des unions qui se font. Mais maintenant, dans ces unions qui se font, avant que ces unions puissent avoir lieu, les deux parties doivent se convenir. Parce que même quand vous allez à la banque, vous allez voir les procès de droit, avant de pouvoir signer certaines choses, on va vous présenter le contrat. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, je suis d'accord. Dans beaucoup de choses, il y a toujours un point où est-ce qu'un homme ou bien une femme doit s'asseoir, se convenir pour faire avancer les choses. Et nous avons vu dernièrement qu'un homme peut avoir le Saint-Esprit dans son esprit, mais pas dans son âme. À ce moment-là, il n'est pas en unité parfaite avec Dieu. Et donc, quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit dans son âme et être tourmenté par le démon, devenir fou, c'est dans la prédication, la démonologie. Et ce matin, nous allons toujours continuer sur l'unité de l'unité de l'esprit et dans l'esprit. Parce que la seule manière de partir dans le monde, c'est d'être uni à Dieu en ayant le Saint-Esprit dans son âme. Je voudrais que vous puissiez prendre avec moi Nombre. Nombre, chapitre 11. Nous allons prendre les passages de la Bible pour au fur et à mesure lorsque nous allons avancer. Donc, tout simplement voir la Bible. Nous répétons tout simplement ce qu'il y a de la Bible. Nombre chapitre 11, versets 23 à 26. Donc, chapitre 11, versets 23 à 26. L'Éternel répondit à Moïse : la main de l'Éternel serait-il trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuit et parla à Moïse et prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Mais il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit se reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente
Et ils prophétisèrent dans le camp. Moïse avait un travail à faire, et la pensée de Dieu pour le peuple d'Israël en ce temps-là était dans Moïse. Dieu, il a jugé juste de mettre sa volonté, son esprit qu'il avait mis dans Moïse, de prendre une partie de cet esprit, de mettre dans chaque ancien, afin qu'ils assistent Moïse dans ce travail. C'est comme nous avons vu dernièrement, dimanche dernier, c'est que les 400 prophètes de Baal, s'ils sont arrivés à prophétiser une seule et même prophétie, c'est parce qu'ils étaient loin du même esprit, ce qui les a ramenés dans une unité. Et nous savons que cet esprit-là, c'était un esprit de mensonge, c'était une unité de mensonge. Le prophète ne s'est pas concerté. L'esprit qui les a pris les a ramenés dans l'unité, tout simplement. Alors nous comprenons par là que deux personnes, pour qu'ils puissent marcher ensemble, il est très important qu'ils puissent avoir le même esprit. Et nous avons vu que dans le dictionnaire, quand on parle de esprit, d'après la définition, ils disent que l'esprit, c'est un être incorporel, ils disent que c'est une faculté intellectuelle, une manière de penser, une façon de concevoir. Cela s'applique à beaucoup de choses. Donc nous voyons que Moïse, pour faire le travail, ne pouvait pas le faire tout seul. La charge était grande. Alors Dieu dit à Moïse, ramène avec toi les anciens, je prendrai ton esprit, je mettrai sur les anciens. Parce que Moïse tout seul ne pouvait pas surveiller tout le peuple d'Israël. Mais pour que cela puisse être fait, il fallait des hommes ayant la même pensée que Moïse. Pas quelque chose d'à peu près. Parce que je crois que si vous lisez avant dans l'ordre, il y a le beau-père de Moïse qui dit à Moïse, « Moïse, la charge est trop grande pour toi. Prends avec toi quelques personnes pour t'aider dans la tâche. » Or, ça, c'était le côté humain. Il pouvait le faire intellectuellement, mais pas dans la perfection. Parce que la seule volonté parfaite de Dieu, en dehors des Écritures que l'on connaît, la volonté parfaite de Dieu, elle se trouve dans le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez avoir les Écritures, mais si l'Esprit n'est pas là pour vivifier, automatiquement, vous pouvez aller en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'on parle du motif, du temps. Que la personne qui remplit la condition pour le faire, parce que si quelqu'un avait entendu la conversation entre Dieu et Jonas et qui partait faire le travail à la place de Jonas, il n'allait jamais avoir le résultat, parce qu'il faut la présence de l'Esprit. Parce que c'est lui, au travers de l'homme, qui fait toujours le travail. Nous sommes des vases et il faut que l'Esprit soit là pour faire le travail. Je vais aller rapidement dans 1 Roi chapitre 19. Donc 1 Roi chapitre 19, verset 9 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat. Il amourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que j'ai fait. » Ça c'est dans 1 Roi, chapitre 19. Nous partons dans 2 Rois, chapitre 2, au verset 9 jusqu'à 10. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Plie sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Et nous voyons que plus tard, Élie répondit que lorsque je pars, garde-le sur moi, garde-le et prends le manteau. Nous voyons que tout simplement, pour qu'ils puissent avoir l'unité, il faut que les gens, premièrement, puissent se concerter pour que les idées, la pensée de chaque personne qui est dans l'esprit puisse être sûre.
Parce que si vous marchez avec quelqu'un, vous ne savez jamais ce qu'il pense, ni vous savez jamais ce qu'il aime, vous pouvez l'enfoncer sans pourtant en être conscient. Je crois qu'il est très important de toujours se conserver. On rentre dans notre sujet. Donc, pour avoir une idée avec Dieu, c'est par le Saint-Esprit, on va tout faire en mesure. Dans la prédication, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, par la patronne, le prophète ceci. Ensuite, ce qui vient après, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit pour que Dieu habite en nous. Et le feu de Dieu purifie nos cœurs du péché et met le Saint-Esprit à l'intérieur. Alors, nous produisons la même vie que ceci produisait parce que c'est en nous. Là, ici, il y a la justification et la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Dieu rentre dans l'âme de la personne et ramène la même vie qu'il y avait en Christ. Et l'on ne peut que être uni avec Dieu en recevant le Saint-Esprit dans son âme, pas dans son esprit. Parce que le Saint-Esprit dans l'esprit va ramener la personne à avoir un certain comportement, mais tout en niant la parole. La personne va avoir des dons, le Saint-Esprit va utiliser tous ces dons-là, mais tout en niant la parole. Parce que lorsque vous avez le Saint-Esprit dans votre âme, je crois que c'est la prédication d'Absolue aussi, le prophète dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie littérale du Seigneur Jésus-Christ dans le croyant. Dans la prédication, le temps de l'union est sur ce paragraphe. Comme c'est glorieux aujourd'hui, Seigneur, de savoir que nous sommes maintenant unis en étant un seul esprit. Et comme on l'a vu dans la tente, il fallait que tous les 70 puissent avoir un seul esprit. Parce que lorsqu'on dit toujours que s'il y a deux hommes, il y aura toujours deux pensées. S'il y a deux hommes, il y aura toujours deux manières de faire. S'il y a trois hommes, il y aura trois manières de faire. Mais pour qu'ils puissent avoir une seule manière de faire et une seule manière de penser, il faut que ces gens-là puissent être baptisés du même esprit. Un seul esprit, le Saint-Esprit, qui a le contrôle absolu de la parole, vient en nous. Et comme c'est glorieux, quel privilège de pouvoir nous détacher de tout ce qui est du monde pour nous unir à Jésus-Christ. Et de penser qu'un jour, sous une forme physique, avec un corps semblable à son propre corps glorieux, nous nous asserons à table au souper des noces, et là nous serons unis et mariés à lui, pour vivre comme épouse et époux tout au long des temps à venir, tout au long d'une éternité sans fin. Donc si on parle aussi de l'unité de l'Esprit, en lisant cette écriture, nous comprenons que ça parle aussi du mariage. Donc si on ouvre une parenthèse, dans l'union, il est très important que les deux aient le même esprit. Éphésiens 4. Si l'on peut prendre Éphésiens 4 ensemble au chapitre 4, Éphésiens au chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Si nous prenons le titre de Moïse, Moïse, c'est comme notre prophète frère Bonhomme aujourd'hui. Et chaque tribu peut être symbolisée par des individus, ou bien par les églises, ou bien peu importe comment on peut placer cela. Et que l'ordre de la parole qui avait été donnée, cela s'applique à tout le monde de la même manière. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui produira la vie dans les hommes comme que les femmes produira la même vie. On parle du Saint-Esprit avec sensation, même du Saint-Esprit sans sensation.
les deux produisent toujours la même manifestation de l'esprit. Et que le prophète, c'est la prédication pourquoi je suis contre la religion organisée, par exemple, 143. Et que cela soit si réel que ces paroles s'accompliront. Ils feront aussi les œuvres que je fais. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Et quand la vie éternelle entre, il naît d'en haut. Et les œuvres qui viennent de Dieu se manifestent parce que c'est la même vie que celle qui était en lui. Elle ne peut pas produire autre chose. Lorsque quelqu'un s'unit avec Dieu par le baptême du Saint-Esprit, automatiquement il naît d'en haut et sa nature est celle du ciel. Sa nature n'est pas celle du bas. Et alors qu'est-ce qui se passe? Cela emmène la personne à vivre naturellement conformément à la parole. Cela change certaines habitudes. Alors, si deux personnes, peu importe leur nation, peu importe leurs origines, qui ressemblent le Saint-Esprit, l'autre au nord, l'autre au sud, quand ils se rencontrent, ils auront toujours la même attitude vis-à-vis de la parole. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas rejeter sa parole. Elle ne peut que dire Amen à sa parole. Alors nous aurons automatiquement les mêmes œuvres, la même vie. Parce que la vie que nous avons, cela vient du même Père. Souvent quand il y a des divergences, c'est parce que la vie n'est tout simplement pas la même. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas nuire au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas combattre le Saint-Esprit. Vous allez voir que dans la Bible, lorsque deux frères de même père, ils ont commencé à se battre, en parlant de David et de Saoul, ils étaient des enfants d'un même père. Ils avaient pour père Abraham, leur descendant, leur arrière-arrière-grand-père. Ils avaient pour père Abraham. David et Saoul, ils ont commencé à se disputer. Saoul commençait. Vous voulez faire tuer David. Vous voulez tuer David. Mais parce qu'ils avaient le même père et que les deux, ils étaient loin, quoique l'autre était rétrograde, plus tard, la Bible nous enseigne que les deux ont eu la paix. Donc, vous allez voir que si l'un veut combattre l'autre, c'est parce qu'il est rétrograde. Et Saoul, pour commencer à vouloir du mal de David, c'est parce qu'il n'avait plus cette unité qu'il avait avec Dieu. Parce qu'il avait brisé les Écritures, alors il a été tourmenté par les mauvais esprits. C'est ce qui l'a emmené à mépriser David, même vouloir tuer David. Donc lorsque le prophète ne dit que pas, lorsque on voit un frère se comporter d'une certaine manière, comme la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Tout simplement parce que la personne est loin d'un mauvais esprit. S'il a le Saint-Esprit, il reviendra tôt ou tard à la raison. Dans la prédication, un guide vous fait du par la prophétie. Alors, nous y voilà, un guide. Et il est le guide auquel Dieu a pourvu. Or, nous traversons une région sauvage. Nous sommes en route vers quelque chose. Et nous ne pouvons pas nous débrouiller sans ce guide. Chacun sur la terre est conduit par quelque chose. L'on ne peut pas être rempli de rien, ou l'on est rempli de Dieu, ou l'on est rempli de mauvais esprits. Parce qu'il y a deux guides, il y a deux forces qui se battent sur la terre. Ou vous unissez à la parole, ou vous unissez aux choses du monde. Donc sur la terre, quelqu'un ne peut pas vivre sans un guide. Que personne ne s'avise d'essayer d'y substituer un autre guide. Si vous le faites, celui-là vous sortira des rangs. Ce guide-ci, en parlant de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il connaît le chemin, il connaît chaque pouce du chemin, il connaît chaque pensée qu'il y a dans votre cœur, il connaît tout le monde qui est ici, il sait qui vous êtes et ce que vous avez fait. Et tout à votre sujet, il est le guide de Dieu, le Saint-Esprit, et il vous révélera des choses. Dieu va vous révéler des choses. C'est le guide qui vous révèle des choses.
diras les choses qu'il aura entendues. Il peut répéter vos propres paroles, dire ce que vous avez dit. Amen. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, si l'esprit de mensonge veut le tourmenter, il répétera le même mensonge qu'il a dit pour que la vérité puisse être rectifiée. Peu importe ce que vous dites, le Saint-Esprit est un serviteur fidèle. Nous en parlerons peut-être dimanche prochain, lorsque nous parlons sur le précepteur. Le Saint-Esprit, c'est un être qui reste fidèle à son témoignage et au témoignage qu'il dira de vous. Donc, il peut répéter vos propres paroles, dire ce que vous avez dit. Amen. Vous dire ce que vous avez été, ce que vous avez où vous allez. Un guide, le guide adéquat. Il vous conduira dans toute la vérité. Et sa parole est la vérité. Donc, peu importe l'origine que l'on peut avoir, les ennemis que l'on peut avoir, sachant que la Bible, elle est unique. Il est vrai qu'il y a des traditions qui ont eu des synonymes par rapport à certains mots. Mais si quelqu'un est le Saint-Esprit, il produira automatiquement la même vie que celui qui se trouve à l'est, que celui qui se trouve à l'ouest. Parce que c'est le même esprit qui demeure en nous. Parce que vous allez voir que Paul, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas parti prêcher, il a commencé à étudier la parole. Ensuite, il a fait l'œuvre que Dieu lui a fait faire. Un peu plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il se rencontre avec Pierre. Et quand il se rencontre avec Pierre, les deux, ils commencent à parler. Les deux commencent à se discuter, partager certaines choses. Alors, Pierre se rend compte tout simplement, et Paul se rend compte tout simplement, que tout ce qu'il prêchait, tout ce qu'il disait, c'était exactement ce que Pierre disait. Que ce soit dans l'ordre de l'Église, que ce soit dans la manière de baptiser, que ce soit dans la manière de procéder pour amener quelqu'un à recevoir le Saint-Esprit. Tout était exactement identique. Et le prophète dit, c'est parce qu'ils avaient pour guide le Saint-Esprit. Or, si deux personnes, ils ont le Saint-Esprit, peu importe les nationalités différentes, ils auront la même façon de concevoir, de vivre, de faire les choses. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, vous n'allez jamais lui forcer de vivre la parole. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, vous pouvez lui forcer, mais ne produira jamais la chose qu'il faut parce qu'il n'y a rien en lui pour produire cette chose-là. Et on ne peut pas emmener un chrétien, et un chrétien n'a en lui aucune faculté spirituelle pour imiter, pour essayer de reproduire les choses du monde. Parce qu'il est uni aux choses célestes. C'est pourquoi nous avons vu dimanche dernier qu'un homme qui a le Saint-Esprit, en réalité, il n'a pas véritablement la communion avec quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que l'un est assis dans les lieux célestes et l'autre n'est pas encore assis dans les lieux célestes. Mais maintenant, lorsque les deux reçoivent le Saint-Esprit, l'un a le Saint-Esprit, lorsque l'autre reçoit le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Son canal de la gloire spirituelle est rétabli. Automatiquement, les informations que Dieu donne à l'un, la relation que Dieu donne à l'un, l'autre aussi le reçoit. Or, même s'il a reçu le Saint-Esprit après, on dit que le temps de la révélation pour certains est progressif. Mais Dieu gardera les deux dans toute la vérité. Parce que l'on pourra vous présenter une écriture ou dire quelque chose, mais le Saint-Esprit en vous reconnaîtra si cela c'est la parole ou pas. Parce que nous avons l'unité dans l'esprit, nous avons l'unité de l'esprit. Or, à ce moment-là, les deux frères peuvent avoir aussi une communion spirituelle dans les lieux célestes. Et quand vous rentrez dans cette dimension, c'est la chose. Et vous avez tellement l'amour l'un pour l'autre. Et lorsque le frère est en danger, comme nous avons lu, le Saint-Esprit peut vous révéler cela de divers manières, par des songes, par des prophéties, ainsi de suite. Et vous vous mettez en prière, vous intercédez. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas négliger. Dieu parle. Si nous parlons une parenthèse sur la prophétie, sur les songes, vous allez voir que dans les songes, Dieu peut vous montrer des choses qui ont été.
les choses qui sont et les choses qui seront. C'est aussi un don aussi prophétique. Le prophète dit ceci de la prédication des âmes qui sont maintenant en prison, au paragraphe 5. Voilà pourquoi nous nous faisons baptiser en son nom, afin que nous puissions en ressortir par son nom, par sa mort, par sa résurrection. Alors nous ressuscitons, rendant témoignage au monde que nous avons une vie nouvelle, que le vieil homme est mort. Nous avons enseveli cette première nature. Vous voyez, cette première nature a disparu et maintenant nous sommes de sa nature à lui. Il vit en nous et nous ne faisons pas notre propre volonté. Donc quand vous êtes véritablement unis à Dieu, vous ne pouvez pas faire votre propre volonté, vous dépendez de cet esprit. Or, vous pouvez voir les prophètes de l'Ancien Testament, en parlant par exemple de Jonas, lorsque cet esprit l'a quitté, parce qu'en ce temps-là, le baptême du Saint-Esprit ne pouvait pas descendre, mais il était loin dans l'esprit pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Lorsque cet esprit l'a quitté, il a commencé à changer d'attitude, se fâcher, demander à Dieu pourquoi il ne les a pas punis. Ça, c'était le côté humain. Parce que cet être n'était plus là pour pouvoir avoir une attitude correcte. Donc, les gens peuvent être loin de l'esprit, avoir une certaine attitude, mais pour connaître s'ils sont baptisés du Saint-Esprit dans leur âme, il leur faut toujours le test de la parole. Pour connaître un chrétien, c'est toujours le test de la parole. Pour connaître un incroyant, c'est toujours le test de la parole. Nous faisons sa volonté à lui. Les pensées que nous avons ne sont pas les nôtres. La pensée, c'est ce qui élabore les pensées. La pensée qui était dans le Christ Jésus est en chaque croyant. Si nous avons le même Christ en nous, comment pouvons-nous avoir une pensée différente de ce que la parole de Dieu dit? Parce qu'ici, on dit que la pensée de Christ est dans chaque croyant, dans ceux qui ont le Saint-Esprit. Alors, comment ceux qui ont le Saint-Esprit, qui sont unis par le même esprit, baptisés par le même esprit, ont-ils des pensées différentes? Où les deux n'ont pas, ne sont pas unis à Dieu, où l'un est uni à Dieu, où les deux sont unis, mais qu'il y a un qui est rétrograde, parce que son canal n'est pas en ordre avec Dieu. La pensée qui était dans le Christ Jésus est en chaque croyant. Voyez-vous, voilà l'âme. Et c'est de cela que nous parlons. Donc, c'est à cette partie-là que je pense maintenant. Ce qui se trouve en nous, l'âme. Donc la pensée de Christ, elle ne s'arrête pas au niveau de l'esprit, de cet esprit, mais elle doit rentrer dans l'âme afin de produire une unité parfaite entre l'homme et Dieu et entre les croyants. Parce que si la personne peut avoir la pensée de l'esprit en vue et être un démon dans son âme, et quoi qu'on a pensé de l'esprit, faire des miracles, est-ce que tu es comme Judas, mais il reste un démon. Parce que le véritable baptême, la véritable union, cela se fait automatiquement dans l'âme. Donc, vous allez voir dans la prédication, l'amour divin, il y a des gens avec qui on aime être en compagnie. Parce qu'on a le même esprit, on a la même façon de faire les choses. On a les mêmes objectifs. Puis il y a des gens, même quand vous ne les connaissez pas, vous êtes avec eux, vous parlez juste à peine, vous sentez déjà une certaine frustration, alors que vous n'avez même pas commencé encore à avoir une conversation. Cela, c'est tout simplement que dans le spirituel, il y a tout simplement une opposition de force. Deux esprits qui sont en train de se contredire. Alors, qu'est-ce que cela produit? Cela produit tout simplement un conflit d'atmosphère. Alors vous parlez avec la personne tout gentiment, vous ne comprenez pas pourquoi la personne prend ce temps, prend ce tempérament, prend ce comportement, ou tout simplement à cause de ce qu'il y a, ce qui est caché en lui. Parce qu'un fils de Dieu, quand il reçoit le Saint-Esprit, vous lui présentez l'Écriture,
même s'il a rétrogradé, mais à cause de cette semence qui va davantage grandir, il va s'humilier face à la parole. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne va jamais rejeter la parole. S'il est rétrograde, il va toujours revenir à la parole. Donc pourquoi ne sommes pas dénoncés le prophète dit ceci par l'Église de Dieu est, nous ne sommes pas divisés. Nous sommes un seul corps. Nous sommes un dans la doctrine, l'espoir et l'amour. C'est ça l'Église du Dieu vivant. Donc peu importe les frères et les sœurs des différentes églises, des différentes croyances, s'ils ont le Saint-Esprit, ce sont nos frères. Nous ne sommes pas divisés. Nous leur devons le même amour que nous nous aimons ici, que nous devons aimer les autres, peu importe l'Église. Peu importe le prédicateur, le ministre. Le prophète dit quelque part que nous devons avoir le respect les uns pour les autres. Ça aussi, ce sont des tribus de l'amour. Donc, ce n'est pas que quelqu'un le lendemain qui part, on le méprise, on commence à voir certains comportements. C'est tout simplement la preuve que dès le départ, il n'y avait pas l'amour. Parce que s'il y a l'amour, cela gardera toujours la communion et le respect. Comme il y a quelqu'un qui dit, une dame, elle dit, peu importe quelqu'un qui a fait de mal, j'ai été avec lui, mais je n'ai pas besoin de dire ce qu'il est, même si c'est vrai, parce que je ne voudrais pas qu'on me trouve, qu'on me fasse aussi la même chose, et je ne sais pas ce qu'il en sera. Alors, nous devons toujours faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, et pas surtout là où ça peut aller. Donc, nous ne sommes pas divisés. Nous sommes un seul corps. Nous sommes un dans la doctrine. Donc, on dit c'est quoi la doctrine? L'espoir et l'amour. C'est ça l'Église du Dieu vivant. En dépit de ces choses, ensemble, nous sommes un. C'est vrai. Qu'il soit méthodiste ou baptiste, frère, s'il est né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, il est mon frère. Nous marchons, on nous serre les coudes, c'est vrai, oui monsieur, ça ne change rien. Donc quelqu'un, il est véritablement votre frère en Christ lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. C'est ça qui ramène l'unité entre Dieu et le croyant, et entre le croyant et les croyants. Parce qu'en dehors du Saint-Esprit, il ne pourra jamais avoir une véritable union. Nous voyons les nations en train de s'unir, en train de faire beaucoup de choses. Tel groupe de pays vont s'unir entre eux, contre ce groupe de pays. Et malgré que ce groupe de pays qui sont unis entre eux, ils vont envoyer des espions pour espionner les autres. Parce qu'il n'a tout simplement pas de relation de confiance. Mais entre les chrétiens, lorsque le Saint-Esprit descend dans nos cœurs, nous avons automatiquement la relation de confiance des uns vis-à-vis des autres. Voilà, donc qu'est-ce que le Saint-Esprit au paragraphe 134? Le corps de Christ est un seul esprit. Où chaque membre, de la Pentecôte jusqu'à maintenant, boit du même vin nouveau, du même Saint-Esprit, produisant les mêmes résultats. Comment est-ce que nous faisons ça? Par un seul esprit. C'est la porte ouverte de Dieu, le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes censés produire identiquement la même chose, la même manière de vivre. La même manière de penser, de faire certaines choses, sans pourtant forcer. Deux hommes peuvent-ils marcher dans Romains chapitre 6.
pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour l'obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc l'on est esclave toujours l'un ou de l'autre. Donc vous allez voir que Paul veut dire qu'il est prisonnier en Christ, prisonnier de Christ. Et cela le plaisait d'être ce prisonnier-là. Et le plus grand désir que nous devons avoir dans notre cœur, c'est de toujours avoir une marche droite avec Dieu. Pas vis-à-vis des hommes, mais vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il y a des situations où on peut se retrouver tout seul, mais l'on doit faire à ce que notre unité avec Dieu doit toujours être juste et parfait. Il y avait un frère au pays, le jour de son décès, beaucoup venaient de donner des témoignages. Ça semblait être émouvant jusqu'à ce qu'on apprit que sa concubine est apparue à la veille, devant la sœur. Il y a des choses que les gens peuvent essayer de cacher, mais Dieu finira toujours par sortir. Parce que Dieu aime la vérité, et il aime là où il y a la vérité. Et là où il y a la confusion, il viendra toujours mettre la vérité, parce que la vérité, c'est ce qui va créer la confusion. Parce que la vérité produit toujours la chose juste dans le cœur de quelqu'un. Dans le guide au paragraphe 38, mais quand Paul, ce petit pharisien, qui a reçu le Saint-Esprit quand Ananias l'a baptisé, il est allé en Arabie et il a passé 3 ans là-bas à étudier. Il est revenu. Il n'a jamais consulté l'Église à propos de quoi que ce soit pendant 14 ans. Il n'a jamais consulté ses frères Paul, Jacques, Pierre, Jacques. Il n'a jamais consulté pendant 14 ans. Et quand il est allé rencontrer Pierre, le chef de l'Église de Jérusalem, ils avaient exactement la même doctrine. Pourquoi? Le même Saint-Esprit. Alors que Pierre baptisait au nom de Jésus-Christ, Paul fait de même, sans que personne le lui ait dit. Alors que Pierre enseignait le baptême du Saint-Esprit et la sanctification et tout, Paul a fait de même, sans avoir consulté l'Église, parce que c'était le même guide. Alors, comment cela pourrait-il être le cas pour nous aujourd'hui? Alors que les gens nient ces vérités, quand Pierre a donné son enseignement sur la façon dont l'Église devait être mise en ordre, Paul avait la même doctrine parce qu'il avait le même guide. Là, le problème qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas que les gens comprennent comme ça, ils font que non. Le problème qu'il y a aujourd'hui se résout en une seule réponse. C'est un problème de nouvelle naissance. Que ce soit dans les cas de mariage, les situations qui se passent en Église, le comportement des ministres, le comportement des frères et des sœurs, les situations où on voit des comportements immatures, plein de choses, c'est tout simplement à cause d'un manque de Saint-Esprit. Si un frère quitte l'Afrique, se retrouve en Europe, si le Saint-Esprit, Dieu va le conduire, il va être abreuvé. Si un frère quitte l'Europe, il part en Afrique, Dieu va le conduire toujours là où il va être abreuvé. Parce que Dieu nous conduit toujours dans toute la vérité. Dieu nous conduit toujours dans toute la vérité. Bon, vous allez voir que peu importe la tradition que l'on peut avoir, certaines choses, dès que nous recevons le Saint-Esprit, cela brise toutes ces choses. Nous avons tous une même attitude, une même manière de faire les choses. Parce que vous allez voir que tout simplement, que quelqu'un qui a un esprit d'hypocrisie, qui sort d'une origine complète, et l'autre qui a un esprit d'hypocrisie, qui sont d'une origine espagnole, les deux vont avoir la même nature. Ils vont manifester les mêmes œuvres. Parce que lorsque la nature de quelque chose est découverte, automatiquement, l'on peut déjà s'imaginer ou essayer de préjuger, essayer de discerner.
quand on parle des esprits, c'est qu'il y a une action, c'est qu'il y aura des comportements, des choses qui vont être manifestées. Donc nous devons davantage grandir dans le Saint-Esprit, que lorsque ces choses-là se font, nous ne puissions pas être attristés, mais nous puissions rendre gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite et remettre ces personnes entre les mains de Dieu. Parce que personne n'est immunisé si ce n'est la grâce de Dieu qui nous garde. Donc Paul et Pierre, ils avaient reçu le même esprit et ils avaient tous la même doctrine. C'est comme dans la Bible, Dieu avait vu qu'il était juste que ses anciens puissent avoir l'esprit de Moïse pour faire exactement le même travail que Moïse. Et il est pour nous ici très important aujourd'hui de recevoir le Saint-Esprit afin d'avoir la même vie que Christ. Parce que vous allez voir qu'on parle aussi de l'influence d'un autre, que beaucoup reçoivent les esprits les uns des autres en ayant un comportement religieux et en appelant cela le Saint-Esprit, mais tout en reniant ce qui donne la victoire sur l'ennemi, la parole. Parce que lorsque les uns reçoivent les esprits les uns des autres, vous allez voir que vous rajoutez cela aux esprits héréditaires, aux esprits sociaux, ça ramène des gens à être des légions civilisées, sans en être conscients. Alors, nous voyons que dans la Bible, ces anciens ensuite ont commencé à faire le travail, exactement comme Moïse. Parce que sans l'esprit, l'homme ne peut pas faire exactement le travail. Et vous allez voir que dans le domaine de la psychologie, il y a des gens qui souffrent d'une personnalité mentale. Un temps, il va parler de cette manière, il va donner son nom. Un temps, c'est quelqu'un d'autre qui parle de la même personne, donne un autre nom dans la vie. C'est tout simplement une présence de deux esprits dans la personne. Mais les gens ici, ils appellent ça qu'il a souffert une maladie mentale. Non, ce sont des démons qui sont en train de tourmenter la personne. Ils appellent des gens bipolaires. Mais un chrétien n'est pas quelqu'un de bipolaire parce qu'il est loin d'un seul esprit. Il est baptisé d'un seul esprit. Donc il ne peut pas être bipolaire. Quelqu'un qui est bipolaire, c'est quelqu'un qui a plusieurs esprits en lui, qui a deux esprits en lui. Or, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit dans votre âme et avoir un autre esprit contraire à la parole de Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut jamais accepter une cohabitation avec quelque chose qui n'est pas de la même nature. Nous l'avons dit dimanche dernier, il s'est représenté sur la terre comme un agneau. Au ciel, il s'est représenté comme une colombe. C'est parce que les deux, ils avaient la même nature. Dans le guide, le prophète dit aussi au paragraphe 39, le guide ne va pas emmener un dans cette direction-ci et un dans cette direction-là et envoyer un à l'est et l'autre à l'ouest. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, ou le Saint-Esprit lorsqu'il vient sur les gens, il ne peut pas créer des divisions, emmener l'un à gauche, emmener l'un à droite, emmener l'un à l'est. Non, il les garde unis par l'amour, il les garde unis par le même esprit, en ayant tout le temps la même pensée, la même manière de faire les choses, la même manière de concevoir les choses. Et une confiance mutuelle aveugle l'un avec l'autre. C'est que lorsque Daniel, il s'est tenu là, il a dit que nous ne mangerons pas la nourriture du roi. Ces trois frères qui étaient là, ils ont eu la même résolution. C'est parce qu'ils avaient le même esprit. Lorsqu'on a décrété qu'il faut adorer la statue, il ne faut plus prier comme ça. Les trois, les quatre ne s'étaient pas concertés. Mais parce qu'ils avaient le même esprit, ils ont produit les mêmes œuvres. A été mis dans la fosse. Les autres étaient mis dans la fournaise. Ils ont gardé ferme la même foi à cause du même esprit. Or, le même esprit produira toujours un seul et même témoignage qui est la manifestation de la vie de Christ. Vous ne pourrez pas forcer un chrétien à demander pardon. C'est faux.
quelqu'un qui est adulte, qui est assis dans la parole, qui est baptisé du Saint-Esprit, vous ne pourrez pas avoir le temps d'aller le voir pour lui dire réponds-toi. Ton attitude n'est pas bonne. Ce que tu fais sur un autre, c'est faux. Parce que le Saint-Esprit en lui, si cette relation est brisée, ici, si cette relation spirituelle est brisée avec Dieu, automatiquement, dans le spirituel aussi, avec son frère, cela aussi est brisé. Et cela ne veut pas dire qu'il est perdu, mais il a tout simplement perdu la joie de son salut. Il n'a plus cette paix. C'est comme Saoul était tourmenté par les démons. Il cherchait la paix. Il est parti consulter. Il a demandé que quelqu'un lui joue de la musique pour la peser. Mais aussi longtemps que cela n'est pas rétabli, en réalité, il n'aura jamais plus de véritable communion. Ça sera juste des apparences. Le côté humain, le corps, on va continuer à se dire « Oh, shalom, frère, Dieu te bénisse !» La personne a fait ses dégâts là-bas en cachette. Il y a shalom, frère, la parole de Dieu. Alors que spirituellement, Dieu sait qu'il n'y a plus. Aussi longtemps que la chose n'est pas réparée par les scriptures, vraiment selon les écritures. Et lorsque Dieu donne un ordre pour la réparation de certaines choses, cet ordre-là ne pourra jamais être modifié. Parce que la Bible dit, le prophète a dit, tu as deux choses à dire sa parole. Et Dieu tient sa parole. Parce que si vous lisez dans Genèse, si on peut prendre avec moi, je vais retrouver cette partie. Si vous prenez avec moi Genèse 20. Genèse 20. Genèse 20. Abraham était un serviteur de Dieu, un prophète. Il avait une unité parfaite avec Dieu. Et il vivait en parfaite harmonie avec Dieu. Et alors, il s'est retrouvé dans un pays et il avait peur qu'on puisse le tuer pour que quelqu'un puisse. Alors, sous la pression de la peur, il a menti. Lisons à partir du verset. À partir du verset. Bon, aujourd'hui, nous sommes au verset 7. Ici, c'est Dieu qui parle. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi. Et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu aimes, tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Et pourtant, quand on lit ici, on remonte un peu derrière, Abimelech, il était juste, c'est Abraham qui l'a menti. Mais lui, il a fait les choses correctement. Mais c'est pour vous dire simplement que lorsque vous êtes juste, Dieu veillera à ce que rien ne vous perturbe et rien puisse nuire à sa relation avec vous. Mais c'est Abraham qui ment, mais c'est Dieu qui dit à Abimelech, par voix, Abraham va prier pour toi. Au lieu que ce soit Abimelech qui prie pour le mensonge d'Abraham. Je voudrais juste vous montrer quelque chose ici. Que lorsque vous entendez des frères dire que non, un frère qui ment, j'entends ça souvent, surtout chez les ministres. Il ment, il fait des choses, il dit frère, je suis Abraham. Abraham, il a menti. Je vous dis que c'est le diable. Dieu reste avec sa parole. Au verset 8, Abimelech se leva de bon matin et appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham, lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait et en quoi t'ai-je offensé que tu ailles faire venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. C'est une obligation. Entre frères, on n'est pas censé se mentir. Même vis-à-vis de son prochain, on n'est pas censé mentir à son prochain. Ils ne doivent pas se commettre. Abimelech dit à Abraham,
Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, suivons très attentivement, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur. Une vérité dit en partie est un mensonge. Une vérité dit de travers est un mensonge. Donc le fait qu'il ait dit une partie de la vérité, c'était un mensonge. Ici, il reprend maintenant. Là, c'est Abraham qui est en train de se justifier, de montrer pourquoi il a menti. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, la fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs et des serviteurs et des servantes et donna à Abraham. Et il fit rendit Sarah sa femme et lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Abraham a menti, mais Dieu avait vu par sa conscience que son serviteur s'y donc si quelqu'un dit qu'il a Abraham, il passe son temps à mentir. Il a Abraham, il vient aussi accomplir cette parole, qui doit se repentir en disant toute la vérité dans les moindres détails. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit dira ce que lui l'a dit, même s'il le cache. Il confessera la chose dans les moindres détails. Parce que le Saint-Esprit en vous voudra constamment avoir communion avec Dieu. Parce que la véritable unité, le véritable mariage que un homme doit d'abord réussir dans la vie, c'est l'union avec Dieu. S'il ne reçoit pas cette union, que ce soit un homme ou une femme, il ne doit pas s'attendre à certaines bonnes choses demain. Parce qu'il faut que le maître de la maison soit présent. Que vous allez voir que la femme de Billy Paul est jeûnée et priée constamment pour avoir le Saint-Esprit parce qu'elle savait qu'il fallait cette chose-là pour être en parfaite harmonie avec Dieu. Et lorsque vous recevez des enseignements, le Saint-Esprit prend cela, met cela davantage en pratique parce que le Saint-Esprit va vous emmener à vivre la parole sans avoir eu la connaissance de l'Écriture. Parce qu'elle est l'auteur de la parole. Vous ne pouvez faire comme ça, là vous restez calme. Ah, je ne sens pas bien, je sens que ça ne va pas, j'ai un doute. Non, je ne le fais pas. Puis quelques temps plus tard, des mois ou bien des jours, vous trouvez que la parole de la Bible est dit que ce n'est pas vous qui faites ça. Il vient de s'y comporter comme ça. Ça, c'est tout simplement la manifestation de la réponse. Même si vous n'avez pas eu la connaissance de cette réponse. Mais le Saint-Esprit vous a révélé la parole par la vie que vous avez démontrée devant les gens. Donc vous allez voir que dans la Bible, il y avait des gens qui chassaient les démons au nom de Jésus. Les disciples sont partis voir Jésus. Ils ont dit, maître, il y a des gens qui chassent les démons en ton nom là-bas. Devons-nous les arrêter de faire ça? Il a dit, mais attendez. Est-ce qu'ils sont contre vous? Non. S'ils ne sont pas contre vous, c'est qu'ils sont avec vous, même s'ils ne sont pas avec vous à ce donc, le fait que les gens croient au Seigneur Jésus-Christ, peu importe là où ils sont, ils ne sont pas contre nous, mais ils sont avec nous. Et vous lirez dans la série L'Adoption, le prophète dit que Josué et Caleb, ils parcouraient le camp pour enseigner la vérité aux autres. Hein? C'est ça qu'il est très important d'avoir une bonne connaissance de la Bible. Ou au contraire, témoin de Jéhovah qui vous sort, je ne vais pas lui dire non. Le prophète dit non. Il vous faut vous référer à la Bible. Paul dit dans la Bible que le parler en langue, Paul dit, la Bible dit dans tel verset. Non. C'est pour ça qu'il est très important de prendre le temps de lire la Bible. Josué et Caleb parcouraient le camp pour signer la vérité. Ils ne sont pas arrêtés dans une seule tribu. Ils ont parcouru. Donc, il est du devoir de chacun, en ayant connaissance de la vérité, de toujours le dire aux autres. Ne pas avoir peur, ah, il
va penser quoi? Que je suis radical, que je vais montrer spirituel. Non. Nous oublions une chose, que la parole nous parle aussi du péché de l'omission. C'est le fait de connaître quelque chose et de ne pas le dire. Ou bien de le dire en partie, de le cacher, bien de le déformer, sans exactement le dire comme cela doit être dit. Le péché de l'omission. Combien nombreux nous faisons cette erreur sans en être conscients. Les hommes vont dire toutes vérités, les paroles à dire. Quand vous lisez la parole vous demande d'être honnête vis-à-vis de votre prochain. Or, la vérité doit être, en le disant, doit être conduite avec l'amour. Peu importe le temps que vous allez employer, l'attitude que vous allez avoir, s'il y a l'amour dans votre cœur, la vérité aura son impact. Même si la personne répond en se fâchant, partez, laissez la personne tout seul, ça va le travailler. Si c'est un fils de Dieu, il va vous appeler, ah frère, pardonne-moi, tu avais raison, même un message, même un appel. Après, quand vous allez vous voir, vous allez voir qu'il y a déjà cette atmosphère chaleureuse de la communion qui est autour de vous. Parce que la personne est rentrée dans la bonne atmosphère. Il est rentré en communion avec l'Esprit juste. Donc, il y a des proverbes que l'on dit qui partent à l'encontre de la parole. Nous devons faire attention à ça. Dans la prédication, le guide, le prophète ici, un guide, par exemple, je veux continuer la lecture. Il va nous garder, il va vous garder ensemble. Et si nous laissons simplement le Saint-Esprit nous garder ensemble, nous serons unis. Si nous ne laissons pas le diable nous entraîner sur la mauvaise route, nous serons d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'un même accord, par un seul esprit. Le Saint-Esprit, le guide de Dieu, qui nous conduira dans toute la vérité. C'est exact. Mais vous devez suivre votre guide. Oui, monsieur. Vous comprenez tout simplement que l'on ne peut pas faire quelque chose sans qu'il y ait un esprit qui anime quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas faire quelque chose sans qu'il y ait un esprit. Et on est esclave de celui qu'on obéit le plus. Alors, quel est l'esprit? Parce que si l'esprit n'est pas présent, il ne domine pas sur le corps, il n'aura pas certains comportements. Écoutez, le prophète Jésus de la prédication, je sais que mon rédempteur est vu en paragraphe 40, je vais bientôt m'arrêter. Mais Daniel avait résolu en son cœur d'accomplir la volonté de Dieu. C'est Dieu qui avait fait naître ce désir dans son cœur. Donc, chaque chose que quelqu'un fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a fait naître ce désir dans son cœur. Il y a un esprit en lui qui est l'auteur de cela. Oh frère, comment ça? Oh non, en fait, il faut d'abord que je réfléchisse, que je vois. Alors que si Dieu veut te montrer le cœur, tu vois que la personne a déjà la réponse. Ça aussi, c'est un mensonge. Parce qu'il n'a pas dit réellement ce qu'il a dans son cœur. C'est que Dieu qui avait fait naître, c'est Dieu qui avait fait naître ce désir dans son cœur. En effet, avant que Daniel puisse éprouver ce désir, il fallait que quelque chose ait créé ce désir en lui. Avant qu'il puisse avoir la foi, il fallait que quelque chose lui dise qu'il existe un Dieu qui peut délivrer. L'union que nous devons avoir avec, l'unité que nous devons avoir, c'est tout simplement avec Dieu et non avec les hommes. Parce que lorsque vous prenez la Bible, la Genèse, Moïse qui est et que vous allez un peu plus loin du Nouveau Testament. Tout ce que le prophète a écrit, ça n'a pas contredit les autres. Parce que c'est le même esprit qui a écrit la Bible. Or, si c'était un autre esprit qui avait écrit la Bible, qui était venu pour faire
faire la continuité de la Bible, pour continuer à écrire les autres chapitres, il devait avoir une contradiction avec ce qu'il y avait. Si vous prenez le même auteur qui compose la chanson, vous allez retrouver dans la musique les mêmes partitions. Mais si vous prenez un autre auteur, il y aura d'autres partitions. Il y a la loi dans l'esprit. Et la loi dans l'esprit emmène le corps à se soumettre toujours à l'esprit. Parce que le corps ne peut pas emmener l'esprit à se soumettre à lui. Non. C'est comme la tête. Les pieds ne peuvent pas emmener le cerveau à se soumettre à lui. Non. C'est le cerveau qui donne l'ordre par un système nerveux à chaque membre de bouger. C'est pour ça que dans le naturel, un homme qui est dans son état mental correct, il ne peut pas prendre son bras gauche, son bras droit, faire du mal à son bras gauche. Ou bien l'inverse. Pourquoi? Parce qu'en ayant une faculté mentale correcte, la chose qui va être emmenée à faire, c'est du bien à son corps. Même quand vous prenez un fou, lorsqu'il arrive à un certain moment qu'il a tellement faim, à cause de la loi de la survie de l'esprit en lui, il ira chercher même jusqu'à dans les poubelles pour pouvoir manger, satisfaire ce désir du corps par la soif qui est émise de l'esprit. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit en lui, il n'aura pas soif de cette chose. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de l'adultère en lui, il n'aura pas soif de cette chose. Si quelqu'un n'a pas la soif de Christ en lui, parce qu'il n'a pas l'esprit de Christ en lui pour chercher. En réalité, quand vous avez envie de prier, c'est parce que Dieu en vous, il veut parler à Dieu. Vous avez envie de chanter, c'est Dieu en vous qui veut adorer Dieu. Parce qu'il dit dans la Bible, il crée le bon vouloir à qui il veut. Il crée le pour et le contre à qui il veut. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés du même esprit. Le sujet de ce matin, c'était l'esprit, l'idée de l'esprit et dans l'esprit. Vous pouvez voir dans la Bible, Pierre avait le Saint-Esprit, nous le croyons tous. Paul avait le Saint-Esprit. Mais il est arrivé que Pierre puisse avoir un comportement hypocrite, quoiqu'il avait le Saint-Esprit. Parce qu'il faisait comme un jeu de ne pas vouloir manger avec les incirconcis. Ensuite, Paul l'a repris. Mais parce qu'il était avec le Saint-Esprit, celui qui était en erreur devait tôt ou tard reconnaître la parole et prendre position pour la parole. Donc c'est pour dire qu'un homme qui a le Saint-Esprit peut faire une erreur. Il a conduit certaines compréhensions. Parce que le Saint-Esprit, lui, veut le conduire toute la vérité. La parole vient toujours pour corriger l'erreur. Donc, l'on ne confonde pas la vie de péché, quelqu'un ne tolère pas la vie de péché. Nous ne croyons pas à ça. Nous croyons que tout le monde doit vivre davantage saint, davantage saint, davantage saint, pour être agréable à Dieu. Et pour être davantage au-dessus de cette mauvaise vie, il faut davantage prier, il faut davantage se priver de beaucoup de choses. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons.
Bible, beaucoup de prophètes ont été bénis vraiment à toi. Ils ont vu l'importance de cette parole. Ils ont vu l'importance de la vie éternelle. Ils ont accepté d'être chicotés, d'être traînés par les places publiques. Ils ont accepté d'avoir des telles corrections, Seigneur, à cause juste de cette vie éternelle, pour que nous puissions avoir cette parole aussi. Seigneur, nous n'avons pas les coups de chicote. Nous n'avons pas ces histoires qu'on nous traîne dans les places publiques, qu'on nous enchaîne, qu'on nous frappe, qu'on nous donne des coups, qu'on nous cloue. Seigneur, nous n'avons pas eu cela. Mais nous te prions de ne pas mettre, de ne pas permettre qu'un esprit de négligence puisse tomber sur nous, un esprit de lassitude. Et nous voulons que toi seul, le Saint-Esprit, tu puisses prendre la prévention sur nous, afin que nous puissions t'honorer en tout temps. Seigneur, il est vrai qu'on se tend de la fin. Le diable s'est déversé. Il est en train de ramener des gens à être des religieux, tout en réunissant la parole, tout en vivant comme il veut. Il veut. En appelant sur la grâce, que tout va bien, qu'ils sont déjà sauvés, mais alors que cela, c'est tout simplement la disgrâce. D'ailleurs, je sais qu'il y a encore nombre des enfants, je crois qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, que tu leur accordes, car c'est la plus grande chose qu'un homme peut accorder aux amis. L'homme devrait davantage insister, prier pour cela, et montrer encore une fois au monde que toi, tu baptises encore conformément à ta parole. Aussi, Seigneur, cette parole qui est sortie, ce petit sujet que tu arroser cela dans nos âmes, afin que dans la journée, peu importe où, lorsque nous avons le désir de prier, même si nous n'avons pas les yeux fermés, nous puissions prier tout sur notre cœur. Seigneur, exauce cette prière-là. Même si nous voulons chanter, Seigneur, prends ce cantique comme nos supplications et exauce cela comme notre prière, Seigneur. Ne laisse pas tes enfants veiller sur nous jalousement. Aussi, Seigneur, laisse que tu puisses accompagner chacun, ainsi que nos frères et sœurs qui sont en vacances, qui vont reprendre le travail demain, les nécessités, nous avons vraiment besoin de toi. Seigneur, le religieux ne sera pas sauvé. Il sera surpris. Il verra la délusion. Le pécheur, la prostituée ne sera pas surpris parce qu'il sait ce qu'il attend. Mais le chrétien ne sera pas surpris parce qu'il a reçu la révélation d'où il va, parce que tu le lui as dit et tu lui as rassuré. Seigneur, enlève l'esprit religieux. Que rien ne contraint ta parole ne puisse être une vie pour tes enfants, mais que toi seul, le Saint-Esprit, puisse prendre la prévision sur eux, afin qu'ils en puissent voir davantage ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous croyons que tu nous as exaucés, et que tu es allé au-delà de ce que nous avons pu penser et imaginer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je te bénisse. Nous remercions le Seigneur pour ce merveilleux sermon. Pendant que nous allons nous saluer les uns les autres, nous prenons le cantique 100. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je peux voir. Je peux voir en toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Encore une fois, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je peux voir,
car je peux voir en toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous allons prendre le cantique 106 pendant que nous récoltons les offrandes. Notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce merveilleux serment, Seigneur. Laisse que nous ne puissions pas être des auditeurs pour Dieu, Seigneur. Lorsque nous serons chez nous, que nous puissions mener sur cette chaîne. Père, après avoir fait le service de l'ange, l'adoration et la présentation, maintenant nous vous mettons entre tes mains ces services d'offrande, Seigneur, que toi tu puisses pourvoir aux besoins de ceux qui sont pour nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. On va prendre le cantique 106. Il y a presque partout